Dans certains États de cette Union européenne, on peut être ciblé officiellement comme traître à la nation ou ennemi de l'État pour avoir simplement questionné une décision gouvernementale. Dans certains États de cette Union européenne, la Constitution peut être interprétée comme jugeant acte terroriste le fait d'organiser un référendum. Dans certains États de cette Union européenne, des membres de gouvernement et des hauts fonctionnaires ont qualifié d'actes terroristes de mineures dégradations matérielles faites par des activistes environnementalistes. Nous n'avons pas été autorisés à voter en seconde lecture dans ce Parlement le règlement de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. Pourtant, ce règlement va avoir des conséquences déterminantes sur nos libertés collectives. Demain, le ministère de l'Intérieur d'un pays va pouvoir faire supprimer en une heure un contenu qu'il aura décrété terroriste dans le pays voisin, en s'adressant directement à la plateforme qu'il héberge et sans qu'aucune autorité judiciaire des deux côtés n'ait jamais eu un regard dessus. Bien entendu, il sera possible après d'attaquer cette décision en justice et peut-être de se voir rendre justice si c'était illégitime. Mais après. En attendant, l'Union européenne aura créé l'opportunité d'une forme de censure préalable, ce qui va à l'encontre des éléments fondamentaux de la liberté d'expression.